Everybody, welcome. Good afternoon. Welcome to this very special edition of your Saturday afternoon program on Gwendy Media TV Spotlight. Oh my goodness, we have a legend in the house, guys. I don't know if you're ready for today, but it's going to be a wonderful ride. He comes from Douala, Cameroon. He was born in 1967. He is a Cameroon music legend. He came from a family of musicians. He attended music school in Paris, and in 1997 he released a song which still today has remained a classic. The title of that song is C'est la vie. Now, if you're just tuning in, guys, our guest on today's program is the Cameroon music legend Henri de Conge. It's going to be a beautiful show. We're going to be going through a parkour of all of his music platform. He has so much to talk to us about. And of course, he has a new project in the market, which is going to be giving us all the details about. All right, guys, sit tight as I welcome the Cameroon music legend, Henri de Conge. He's going to be starting in music, guys. Let's welcome him. Drum rolls. La vie, je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, ne finit pas de m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, mon visage et mon sourire. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, mon visage et mon sourire. Bonjour, bonsoir. Répondez d'heure que vous avez là-bas aux États-Unis, voilà. Waouh, bravo, 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 bravo. Ça, c'est un classique, je me rappelle. Thank you, merci, thank you, thank you. Waouh, welcome, welcome, tonton Henri de Conge. On t'adore, on t'adore, on t'adore. Voilà, les gens sont déjà connectés. J'envoie les messages. Je vois les messages qui défilent déjà sur la plateforme. Everybody's here. Hey guys, sending your messages for Henri de Conge today. What do you want to know? What songs do you want to hear him sing for us today? Henri, bienvenue. Sur Spotlight. Oui. Bienvenue. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci de m'inviter parce que ça fait longtemps qu'on devait te voir, mais. Thank you. Je sais, il est... Oui, je crois que comme on a une différence de temps là-bas, c'était un peu, je ne savais pas exactement à quelle heure. C'est vrai que j'avais un peu cadré. Je me disais, ça sera 19h, heure de Paris. Je ne suis pas très sûre quelle heure il est là-bas maintenant. Mais hey, nous sommes là. Alors, Paris. Oui, oui. Voilà, tes gens sont là, tes gens sont là. Parle-leur un peu. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, tonton Henri. On sait que tu as un très gros projet sur lequel tu travailles maintenant. Dis à tes fans, à tout le monde qui nous regarde cet après-midi, où est passé tonton Henri de Conge? Pourquoi on ne te voyait pas beaucoup?
Si, c'est vrai, c'est pas qu'on ne me voyait pas, mais c'est que bon, ces derniers temps, si j'ai essayé de sillonner un peu l'Afrique aussi, j'étais au Cameroun particulièrement, pour essayer de voir de travailler avec les jeunes, un projet qui dure depuis plus de 4 ans. Et j'ai fait aussi un concert au Cameroun. Et j'ai été aussi donné un coup de main toujours au Cameroun à Grand Frère Coty François pour son festival là, qui se passe à Cantel. Et entre-temps, j'ai passé du temps aussi à essayer de travailler avec les jeunes que j'avais sélectionnés pour travailler avec ma nouvelle boîte que j'ai créée, disons. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. De plus en plus. Bon, vous savez, avec le confinement, ce n'était pas facile. Le coronavirus, ça a été très compliqué. Tout ce que j'avais à faire, je devais venir aux États-Unis au mois de, si je ne me trompe pas, au mois de mai. Ah Je oui, n'ai c'est pas vrai, pu y hein? aller. Je devais C'est aller. vrai, Oui, ouais. vrai. Et jusqu'à présent, je ne sais pas quand est-ce que je viendrai. Et je suis désolé, je remercie déjà les promoteurs qui voulaient me faire venir, mes frères Camerounais, qui avaient déjà payé l'hôtel, les Ouh billets d'avion là et tout. Et tout ça, ça a été annulé. Donc finalement, ce n'est pas évident. là. Ouais. C'est vrai que ce maudit Covid a trop changé les choses, mais on continue à travailler, on continue à espérer que dans très peu, ça va passer, hein, ce mauvais vent va passer. En tant qu'artiste, tonton Harry, avec, tu nous as dit que tu as commencé ta boîte et tout, et tu avais tous ces projets, tu devais voyager, tout ça. Comment ça t'a affecté en tant qu'artiste? C'est toujours très dur, hein. Mais bon, c'est que c'est vrai que ce métier, il faut le choisir aussi, hein. Avant que le coronavirus n'arrive, c'était un peu compliqué. Surtout nous qui voyageons beaucoup et qui ne faisons pas de playback, disons, je n'insulte pas les autres, hein, mais je pars du principe que pour pouvoir, chaque fois que je vais même aux États-Unis, je travaille longuement avec les musiciens qui sont sur place. Donc, ce qui fait que bon, ça demande beaucoup de logistique et ça demande beaucoup d'organisation. Donc, ce côté, bon, il n'y a pas de souci. Mais ça a été très dur parce que pendant que moi, je suis en train de finaliser ma nouvelle boîte d'édition, parce que j'ai créé une boîte d'édition, et j'avais déjà une boîte de production, c'est en fonction de ça que j'étais en train de. Bon, j'ai même commencé à penser à trouver des studios au Cameroun avec des collaborations avec. Parce que je trouve plus facile de travailler avec mes frères, mes jeunes frères, jeunes sœurs. En partant du Cameroun, parce que j'ai quand Exact. même découvert je le savais déjà, qu'il y avait de très bons musiciens, de très bonnes chanteuses, de très bons comédiens. Il y a ça au Cameroun. Mais pour enfoncer le clou, il faut automatiquement que je leur fasse comprendre que je donne des exemples comme les jeunes qui sont partis du Cameroun pour être des vedettes ici. On n'a pas besoin de plus en plus de venir ici pour pouvoir. On peut venir si on a les possibilités. Mais si c'est pour venir pour galérer, ça ne sert à rien. Donc, si on peut, Exact. déjà, l'outil qu'on utilise actuellement, Internet, ça permet de nous voir dans le monde entier. Avant, ce n'était pas facile. Donc, grâce à Exact. toi, je peux parler à tout le monde, je peux voir tout le Oh yes. Je vais te dire, tonton Henri, quand tout le monde. monde a vu l'annonce, quand ils ont vu l'annonce, les gens m'envoyaient les inbox et ils me demandaient, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va vraiment voir notre légende Henri Dikongé? Qu'est-ce que tu ressens quand les gens, te montrent beaucoup d'amour et d'affection comme ça? Je ne sais pas, je suis complètement ému, je ne sais pas quoi dire parce que, en même temps, je prends un recul parce que je sais que tout le public ou tous mes frères et sœurs qui me donnent cet amour, c'est eux qui m'ont mis là, hein, et que je ne dois pas faire des bêtises. S'ils n'écoutaient pas ma musique, s'ils la programmaient pas, s'ils l'achetaient pas, maintenant c'est de famille en famille parce que quand j'ai commencé, j'avais quand même 24 ans. Donc il y a des enfants qui naissent maintenant, qui se marient, comment ça se transmet actuellement? Donc, ce n'est pas évident d'avoir. Mais c'est un pouvoir que bon, au départ, je ne comprenais rien du tout. Hein. Pour moi, c'était bon. Mais c'est à partir de quand je suis arrivé à mon premier voyage, comme par hasard, mes premières tournées aux États-Unis, c'est par là que j'ai commencé. C'était difficile de m'accepter moi-même parce que je trouvais que ça pesait plus sur mes épaules parce qu'il fallait gérer tout. Ce n'est pas évident. J'étais un débutant dans l'histoire parce que le showbiz, on n'en parle pas comme ça. J'ai voulu faire à la manière camerounaise ou bien à la manière africaine, mais je me suis rendu compte que je ne m'appartenais plus. Wow. Tonton Harry, c'est vrai que tu es né dans une famille de musique. Parle-nous un peu de ton enfance et comment tu es rentré dans la musique.
Oh, mais c'est Et tu te rappelles encore bon. Est-ce que tu te rappelles? Oui, oui. Oui, je me rappelle. Je me rappelle de tout parce que ça n'a pas été évident, parce que j'étais tellement, bon, il faut le dire la vérité, mes copains, mes amis qui me connaissent, les vieux comme sont maintenant vont se rendre compte de ce que je raconte. Bon, j'étais un enfant pas facile, hein. Donc, tout ce que je voulais, je demandais ce que je voulais, même si je n'avais pas, je faisais la tête dure. Donc, effectivement, la première chose qui m'a inspiré, comme je suis dans une famille des musiciens, et il y avait aussi des militaires, il y a beaucoup de gens de l'armée dans ma famille. Uh-huh. Bon, et mon seul vœu que je voulais faire, c'était mon choix, c'était faire un peu la musique et peut-être être colonel ou commissaire. Mais peut-être même être juriste, c'est ce que j'avais pensé. Bon, le fait qu'est arrivé, mon oncle jouait la guitare, et c'est lui parmi les gens qui ont créé la première société de droit d'auteur, la Socinada, en passant père son nom, Coteau-Étienne. Voilà. Wow. Et qui avait aussi c'est comme ça que j'ai baigné dedans, parce qu'il avait aussi des instruments où beaucoup comment on appelle ça, des musiciens, des stars du Bukusi venaient jouer à la maison. Uh-huh. Donc, c'est comme ça que je suis entré dedans. Voilà. Et donc, il m'a acheté la première guitare à 5 ans, mais les parents l'ont cassé parce qu'ils ont dit que ça ne serait pas lui. Oui. Wow. Donc, voilà. Wow. Oh, donc, ça veut dire que quand tu as décidé de commencer la musique, la famille était d'accord. Parce que tu étais déjà dans une famille de musique. Ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient pas d'accord pour que je fasse la musique tout de suite. Parce que c'est normal. C'est comme tout le monde. Hein. Quand les footballeurs, voyons maintenant les jeunes Eto, les Choupo-Moting, tous ces gens-là. Uh-huh. Quand tu voulais. Uh-huh. Wow. Et est-ce que pendant ton enfance, tu avais certains artistes que tu admirais? Est-ce qu'il y avait certains artistes, you know, que tu admirais comme ça et que tu voulais, you know, être comme eux, que tu as appris la musique à travers eux? Okay, I'm not sure what happened there. I think that we lost Henri de Conga. I hope that he's gonna come back. I think he got frozen for some reason. Guys, I'm excited. Are you excited? Are you sharing the video, guys? Are you sharing the video? Like, what questions? I don't see no questions that you guys are asking for. We have a living legend in the house, guys. It's not every day that we have someone like Henri de Conga live on the program. Today is an exceptional day. He took out time from his busy schedule. He's actually working on a couple of projects at this time. But he said, hey, petite... Hey, ma fille, je vais venir. Je serai là pour mes fans, je serai là pour les Camerounais parce que je les adore. So while waiting for Henri de Conga to connect, I'm just going to play a very, very, very short video just to keep us waiting for that time. Hey, guys, share the video if you've not shared the video. Woo! Oh. So that was a very, very short excerpt. Une seconde là. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je voulais savoir un peu, quand tu étais petit, là, quand tu grandissais en tant que, you know, jeune qui aimait la musique et tout, est-ce qu'il y avait certains artistes que tu admirais? Ah, ben, il y en a beaucoup. Oh là là. Mais le pire de l'histoire, c'est que j'admirais beaucoup les vieux, hein, comme on dit chez nous. Ah bon? Ah oui, parce que, bon, c'est eux qui étaient parmi les... Je pensais en parler de la musique un peu anglo-saxonne, jazz, brown, de tout ce qu'on connaît, là. Fais-la rencontre. Ça, c'est autre chose. Mais les artistes que j'admirais le plus chez nous, c'était les gens qui faisaient la musique traditionnelle. Donc, il y a... comment il s'appelle? Didier Tchakounté. Didier Tchakounté. Wow. Et Kabi Bouillon, Manu Dibango. Voilà, Manu Dibango. Oh, wow. Comment il s'appelle? Medieu Mesom Jacob. Le vieux Medieu Mesom Jacob. Jean Bicoco, de la SICO. Donc, gros, ça c'était parce que bon, oui, ben, moi j'ai commencé avec, j'aimais beaucoup la musique, il y avait tellement de musique à la maison, mais le seul problème c'est que mon oncle me disait toujours que de beaucoup plus écouter les musiques traditionnelles, parce que c'est des Wallons, sans oublier mon oncle, bon, voilà. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé, c'est bien sûr, on écoutait le funk, j'ai même gagné des concours de danse avec, comment il s'appelait à l'époque, Johnny Calagan des Brasseries. C'est mort, notre grand frère Johnny Calagan. Voilà. Oui. Alors, et quand effectivement, quand j'ai commencé à vouloir composer, je me suis rendu compte que c'est cette musique qui m'intéressait.
Voilà. Wow. Ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que je n'écoutais pas les autres musiques que je n'aimais pas. Bon, il y a aussi des choses qui m'ont beaucoup plu quand à l'époque, on venait de construire le stade Amadou Ahidjo, on l'inaugurait. Et il y a eu le groupe Massamba avec Dikoto Mandenga qui est venu jouer. Il y avait aussi Nico Marga qui était venu jouer. Oh, wow! Des choses qui m'ont, sans oublier Kemayou qui était venu avec ses Claudettes à l'époque. Uh-huh. Wow, ça, ça m'a encore donné envie de faire la musique. Wow. Alors, on sait que tonton Harry, il est très bien avec la guitare. Est-ce que c'est parce qu'à 5 ans, tu as eu ton premier cadeau qui était une guitare ou est-ce que tu l'as pris quelque part? On sait que tu as aussi fait l'école de la musique à Paris, mais est-ce que c'est là-bas que tu as appris à jouer la guitare aussi bien? Non, mais mon oncle m'avait déjà, il a convaincu qu'il commençait à m'apprendre quelques notes. Hein. Uh-huh. La base des notes, hein, do, fa, sol, le machin et tout, ce que vous voulez. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à composer. Mais entre-temps, bon, il y a la chorale qui a servi à beaucoup de choses parce que ma grand-mère, comme j'étais tellement têtu aussi, ma grand-mère a dit à ma maman, oui, toujours, ma grand-mère a dit à ma maman et à mon papa, écoute, je l'amène à la chorale, il va comprendre. C'est là que j'ai beaucoup plus appris aussi le chant. Wow. Alors, on sait que tu as eu beaucoup d'albums déjà. Tu as eu ouais. C'est la vie que tu as fait en 97, voilà, et que tu as eu pas mal de disques là. Tu as eu C'est la vie, tu as eu N'oublie jamais, tu as eu Bissau Nawa, et aujourd'hui tu as un gros projet que tu travailles dessus depuis un certain temps. Parle-nous un peu de ce projet là. Il y a plusieurs projets. Il y a déjà, bon, vous avez oublié d'autres albums. Il y a Wa, il y a le voilà. Dernier que j'ai sorti. Il y a Wa. Je voulais juste citer quelques-uns. Ouais. Oh, ben oui. Mm-hmm. Bon, c'est vrai que les gens ne connaissent pas tous les albums que vous avez cités. Certains connaissent seulement. Bon, c'est pas qu'ils ne connaissent pas. Ils préfèrent toujours me parler des premiers albums, mais ils oublient qu'ils achètent des disques, ils ont même des disques. Ils n'écoutent pas. Ils écoutent seulement une chanson quand cela fait. Exactement, il y a eu aussi une diaspora. Oui, c'est ça. Voilà. Puis le dernier, en plus. Ouais. Mm-hmm. Là, actuellement, les projets, sont, comme je vous ai dit, ils sont déjà en marche, parce que, bon, ils sont en route, parce que le projet, ça marche. On ne marche pas avec les projets, ils sont en route. Les projets sont en route. Il y a la maison d'édition qui est créée. J'ai une petite maison de production qui s'occupe aussi pour trouver les dates. Les concerts. Et en même temps, comme je vous ai dit dès le départ, je prépare beaucoup de choses, un album un peu différent de ce que j'ai toujours fait. Je vais présenter plusieurs artistes. Il y a déjà une qu'on connaît déjà, mais on va encore la découvrir, celle qui chante avec moi dans mon album Diaspora qui parle de l'Afrique. Il y a la petite merveille Ongene qui est au Cameroun, que j'aimerais bien continuer avec son projet. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais avec le coronavirus. Avec le coronavirus, on a été peu ralenti parce que comme rien ne fonctionne au niveau du disque, au niveau des voyages, au niveau de même les radios, parce qu'on est obligé d'utiliser ce média qu'on a actuellement, ça tombe bien si on ne l'avait pas, on n'en parlerait même plus. Oui, c'est ça. On est un peu, ouais, parce que le corona, ça a un peu forcé, ça a un peu forcé tout le monde à se retourner vers le virtuel, heureusement pour nous, hein. Parce que toi, tu es à Paris et moi, je suis aux États-Unis. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent partout. On a les États-Unis, on a le Cameroun, on a la France, on a l'Angleterre. Tous ces gens qui regardent l'émission, ils sont de partout. Donc, ça nous permet encore de pouvoir se rencontrer. Ça leur permet de voir notre légende de la musique. Nous sommes très fiers de t'avoir, tonton Harry. Merci beaucoup pour tout ce que tu as déjà fait pour notre culture, pour la musique camerounaise et pour tout ce que tu fais encore. Alors, on va te laisser nous chanter un autre morceau. Ça te dit? Ah, je vais essayer parce que là, bon, comme on y va. Okay, so guys, let's hear another song from Henri Dikongé, who is a Cameroonian music legend. I am so pumped up, guys. Share the video and send in questions. Bulubo Winitenge,
Abanao, le Kekaso de Tiae. Oh, dis-moi, Banisse, mon Timawase. Boulouba, il t'aime. Abanao, non, grosso, j'avais. Oh, dis-moi, Banisse, mon Timawase. Sega Maleya, Baba Sangwanyu, Anyangwanyu, Sega Pe Maleya, Baba Tunubanyu. Bande Babi, Yeboko, Ema Wanano, Bande Babi, Yerungela Mundi Bawase. Ane babi, jeboko, ema wana no. Babende babi, jirungela mungi mawase. Gulubo wili tenge, abana wo, dosi wasabome. Onimu mapani se mungi mawase. C'est ton awa kokae, c'est ton awe pembo bitamuto, c'est ton awa kokae. Otsongele na he, wabiatebo bisolkende, diplombe. Otsongele na, wabiatebito, sonke diplombe. O songele na e wabiate bobi sonkele diplomdi. O songele na wabiate bitu sonkele diplomdi. Bulubo bilitenge abana wo losi wasabobe. Ori muma patise mudi mawase. Je suis là, coucou. Wonderful. Ok. Et pour une seconde, j'ai voulu laisser tonton Harry seul pour qu'il ait, you know, il nous donne le meilleur de lui. Et le réseau n'a pas voulu me remettre sur l'antenne. Tu peux imaginer ça, tonton Harry. Wow, wow, wow. That was amazing. Non, mais ça arrive. Boulou. That was beautiful. That was. Tonton Harry, chaque fois quand je t'écoute, Je suis transportée. J'ai l'impression, et je sais que je ne suis pas la seule, tes chansons sont différentes. Tes chansons, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce que tu fais en particulier avec toutes ces chansons-là? Pourquoi elles sont toutes belles et mélodieuses? Et I don't know, it's just beautiful. Mais c'est pas compliqué pour moi parce que... J'écoute le secret, il n'y a pas de secret, c'est que j'écoute beaucoup les autres, que ce soit les jeunes, les anciens, les vieux et tout. Et chaque fois que je compose une chanson, ça part toujours de quelque chose que je vois que ça ne marche pas. Par exemple, quand j'ai fait Africa, j'ai vu que, bon, à l'époque, c'était l'époque qui avait, que Mandela était enfermé, donc il me fallait trouver quelque chose. Je ne suis jamais content de ce qui se passe dans le monde. Je n'aime pas l'injustice. J'aime pas le racisme, j'aime pas la haine, j'aime pas le, comment on dit, même le tribalisme, j'aime pas tout ça. Donc, automatiquement, même si je fais une chanson, effectivement, même si je fais une chanson que maman me disait toujours, pourquoi tu fais toujours des chansons, tu revendiques toujours tout, tu ne fais pas des chansons gays. Et même quand je fais une chanson d'amour, les gens disent que oui, mais elle est belle, mais ça parle de. Je trouve que la solution, ça ne vient pas de moi, ça vient du public. Parce qu'à partir de quand j'ai quitté le Cameroun très jeune, mais le problème, c'est que j'ai toujours la nostalgie du Cameroun. Il suffit que j'arrive au Cameroun,
à peine j'atterris, je revis autre chose. C'est comme si je rajeunis de peut-être 5 ans. Donc, le secret que je peux vous dire, c'est quoi? Le secret est simple aussi. Je me suis entouré quand même, jusqu'à présent, des gens qui sont intéressants, même s'il y a souvent des écoles dans l'ensemble. Et en même temps, je suis entouré de musiciens aussi, que quand je veux quelque chose, je veux quelque chose. Si ce n'est pas prêt, je ne fais pas. Ça ne sert à rien. Mm-hmm. Je ne cours pas derrière le succès. Puisque ce n'est pas moi qui ai fait mon succès. C'est vous qui avez fait mon succès. Ça, donc, c'est vrai. Je sais bien quelquefois, je peux décevoir, comme tout le monde. Mais par contre, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est que bon, moi, j'ai été inspiré par les anciens et j'ai eu la chance de travailler beaucoup. Je travaille encore plus avec des jeunes parce que je profite de faire ma promo pour un jeune que personne ne connaît, qui a bien cartonné en Europe aussi, Dalkamik, un jeune Camerounais qui m'a appelé. Il avait quel âge quand il m'a appelé? 18 ans. Il a réussi à faire son premier album et j'ai fait une chanson. Voilà. Donc, celui-là, on ne connaît pas puisque bon, il passe dans les réseaux en France. Il est connu, il a fait même un tube pendant tout l'été. J'ai travaillé pour beaucoup de gens, les Sénégalais, comme vous m'avez demandé, Daraji, un groupe sénégalais qui a cartonné aussi de rap, de rap un peu d'aujourd'hui. Uh-huh. Ça m'arrive, quand on me demande, je fais beaucoup de choses. Hein. Uh-huh. Mais la question simple que vous m'avez posée, je ne peux pas. Je pars du principe que même quand j'ai commencé à écrire une chanson, parce que j'écris deux fois beaucoup en français, après, je demande un peu à des différentes personnes que si je dois chanter en Douala, je m'inspire, je demande. Si je dois chanter en Lingala, comme je le fais, en congolais, si j'ai un grand frère qui est congolais, je vais le voir. Et quand j'étais étudiant avec les Sud-Africains pour faire la chanson Africa, je me suis inspiré, je les ai demandé. Ils m'ont proposé le problème, ils m'ont proposé de chanter, de comment il fallait mettre des petites paroles en zoulou. C'est ce qui fait que moi, j'aime être entouré des gens. Je suis curieux et j'aime toujours discuter, chanter ou bien m'inspirer des gens qui apportent un peu un espoir. Parce qu'il faut toujours penser à l'espoir. Il ne faut jamais penser au négatif. Même s'il y a du négatif, moi, je préfère du positif. Exact. Et tantôt, Henri, tu as cette facilité. Tout le monde qui a déjà eu à te rencontrer, ils disent que tu es d'une chaleur immense. Et moi, je vais le dire aujourd'hui pour la première fois. Quand on s'est rencontrés, j'ai déjà eu à faire des événements où tu étais artiste, tu étais venu de Paris et j'étais toujours, toujours très, très touchée par l'amour que tu portes pour tout le monde. Tu as un cœur vraiment très grand et très ouvert. Je voulais te dire merci. I just really want to say thank you for being so warm, for being such a wonderful person, Tonton Harry. I don't know. You are just an inspiration. You are our legend. We're just so proud to have you, to celebrate you. Thank you, thank you, thank you. Est-ce que tu vas parler un peu d'anglais aujourd'hui? Tu sais, je t'ai envoyé une chanson ce matin d'un jeune Camerounais qui aussi fait de la musique ici aux États-Unis. Est-ce que tu as eu le temps de l'écouter, cette chanson? Parce qu'il est ici, il est en ligne là maintenant. Il regarde l'émission parce qu'il m'a dit, je ne peux pas manquer l'émission. J'attendais que tu m'envoies la chanson. Tu m'as envoyé un peu tard, mais ce n'est pas un problème. Comme je l'ai déjà, je vais l'écouter. Et je vais répondre tout de suite. C'est pas compliqué pour moi. J'ai le temps de répondre. Il s'appelle Peter Jerry. Vous lui dites, vous n'en faites pas. Je vous dis qu'il n'y a pas de souci, puisque à partir de quand je vais écouter, déjà d'ici peu, si tout se calme un peu, parce que bon, de votre côté, vous avez les élections, ça ne sera pas facile. C'est pas maintenant que je vais arriver là-bas. Parce que j'ai quand même. J'ai trois concerts. Déjà, il y avait deux. Maintenant, il y a trois ou quatre qui sont programmés, mais je ne peux pas. Puisque, bon, les États-Unis, il y a les élections. Mm-hmm. Même au Cameroun que je devais aller, au Burkina pour une histoire de hommage à Koundé. Là, je ne peux pas. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le temps d'écouter. Of course. J'ai écouté le... Voilà. Voilà, il y a des gens qui disent que je... Les gens qui veulent savoir où est-ce que Tonton Harry tient son inspiration pour la musique. Qu'est-ce qui t'inspire à écrire toutes ces belles mélodies qu'on adore? L'inspiration vient de l'Afrique.
Parce que je vais vous donner un exemple. Quand j'écoute les jeunes d'aujourd'hui qui font du high life, vous voyez tous ces jeunes qui sont locaux. Voilà. Locaux, Daphné, tous les jeunes sénégalais, toute la musique actuelle, si vous écoutez très bien, à l'époque, on ne dansait pas la musique ghanéenne. C'était une musique qu'on disait qu'elle était traditionnelle, mais tous les tubes d'aujourd'hui sont faits par ces jeunes-là. Mm-hmm. On mélange même les... Écoutez, quand on me pose cette question, les gens écoutent toute la musique européenne actuellement, que ce soit la musique américaine ou jamaïcaine, mm-hmm. ou la musique en général. Tous, ils utilisent maintenant le son africain. Ça, c'est vrai, hein. Il faut que les gens s'en rendent compte. Plus. Même oui. nos pas de danse, tout, hein. Même nos pas de danse. Voilà. Donc, il y a quoi? Ils utilisent le I Love l'Afrique de l'Ouest, le Bikutsi de la Siko, le Mangabe, tout ça. Mais déjà, au départ, déjà, moi, à l'époque, je pensais que le Kassav, disons, les musiciens de Kassav étaient des Blancs. Parce qu'ils s'appellent Jacob de Varieux, Jean-Claude Néro, tous ces gens qui ont joué dans les musiques camerounaises et africaines. Vous vous rappelez de aussi Tapa la Bola, mais il y a plein de chansons que c'est eux qui jouent derrière. Mais à ma grande surprise, quand j'ai vu au concert de Ekami Bruyant qu'ils avaient amené avec Toto Guillaume, j'ai vu que c'était des Noirs, mais c'était des Antillais. Et le zouk est né à partir de là. Donc je pars du principe que comment se fait-il qu'on a tout ça? Tu vas au Nord, maintenant, on n'en sait pas la musique du Nord, maintenant. J'ai des jeunes nordistes que j'ai participé à l'époque quand je suis venu au Cameroun, qui maintenant la musique du Nord, Cameroun s'écoute. On la danse. La musique de l'Ouest, on la danse. La musique de l'Est, on la danse. La musique du littoral, on la danse. Yeah, alors, ça la musique du Sud-Ouest, la musique du Sud-Ouest et Nord-Ouest. Alors, voilà. Pour me demander pourquoi je m'inspire beaucoup de l'Afrique et du Cameroun, quand je vois mon Ngombé, le jeune de Bouyala, mais c'est des jeunes comme ça que j'ai envie d'aider parce qu'ils partent, ils ont écouté ma musique, ils se sont inspirés, mais en même temps, quand je les ai rencontrés, je les ai dit, quand je suis allé jouer, pendant tout, la dernière fois que je suis allé, c'est, on m'a presque interdit d'aller jouer à Bouya. Mais je suis allé jouer à Bouya parce que je tenais à tout pour aller à Bouya et donner un coup de main à ce jeune Mongombe. Peut-être vous allez le connaissez pas. Mola Mongombe. Mola Mongombe. Il joue aussi la guitare. Mongombe. Tonton Harry, il joue la guitare. Voilà. Wow, donc, c'est un très grand artiste aussi. Je l'adore. J'aime la musique. Je lance mon prochain. Donc, toi, Harry, je suis surpris de savoir que tu connais beaucoup ces artistes, hein, même des jeunes artistes. Je suis très surpris. Vous savez, quand je ne peux pas ne pas les connaître, puisque ces gars ont été inspirés par moi. Les Blik Mbassi, c'est des jeunes qui venaient me voir. Tonton Harry. Et Charlotte venait. Oui. Donc, je suis content de ce que j'ai pu faire. Mais non. Entre-temps, ils ont compris ce qu'il fallait faire. Il faut que les autres comprennent aussi, mais qu'ils ne font pas toujours. Il ne faut pas continuer à copier. Chacun peut. L'Afrique est pleine, surtout le Cameroun est plein des artistes. Mais il faut qu'ils arrêtent de toujours penser à faire la même chose. C'est tout. OK. Oui, parce que déjà, on ne mange pas seulement le dollar au Cameroun. Hein. On mange le cuit, on mange le on mange le héros, on mange voilà. Le héros, donc, voilà. Ça c'est vrai, alors j'espère que les jeunes artistes comprennent, hein. Vous avez compris le message de tonton Harry, non? Il dit que il ne faut pas faire la même chose, il faut se diversifier, il faut croire en soi, fais ce que tu as en toi, ok? Il ne faut pas copier tout le temps, il faut faire quelque chose de différent. Tonton Harry, il y a quelqu'un qui demande Africa, il y a quelqu'un qui dit elle dit Tonton Harry, please, do Africa. Je vais essayer. Africa, bon. Africa, oui. Bana boga ba unatake. Africa, oh. Bana boga
la bonne justice. T'es coulé, caillé, ouais, sur ma maille, ouais. T'es coulé, caillé, ouais, sur ma maille, ouais. A cala, me mette, voilà, on a pu sortir. Si me l'est tout quoi, toi, mon ya. T'arrives à l'aide des moyens, me l'est à la bouille à tengue. T'arrives à l'aide des moyens, me l'est à la bouille à tengue. C'est cool, les naïo, so mama, yo, we. Africa, Africa, mama, je ne vais pas, yo, Africa, cool, les naïo, Africa, Africa, wo, la mama, bonne bébé, Africa, wo, la mama, bonne attaque. Africa, boy, ana baba baba one justice. Yola ile masuri nene, menere mukala kalomba o. Yola ile masuri nene, menere mukala kalomba o. Tori bolia nene moye, mene taka bunya tenge. Tori bolia nene moye, taka bunya tenge. Oh ma bende bola wondo bisari simere tu kwato bunya. Oh ma bende bola wondo bisari simere tu kwato bunya. Africa, Africa, mama, Africa, yeah. Africa, kulenga yebo, Africa, yeah. Africa, wo. Alalaba wona bebe. Didi-da-da-do-da-da-da-da. Oh my God, tonton Harry, tu sais, quand je t'écoute chanter, oui, j'ai envie de chanter, mais je n'ai pas une bonne voix. Ouais, tu me donnes envie de chanter, tu me donnes envie de vouloir devenir artiste, mais je ne sais pas mon point fort. Si je pouvais... Wow, tonton Harry, you're just phenomenal. You're just so, so phenomenal. Alors, dans cette chanson « Africa », je ne sais pas exactement ce que tu dis, mais je me dis, tu parles des bienfaits de l'Afrique. Quel message est-ce que tu véhicules dans cette chanson Africa? Parce que c'est une chanson que les gens écoutent partout jusqu'aujourd'hui. Depuis que tu as fait cette chanson, toutes tes chansons, les gens écoutent toujours, tout le temps. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis dans cette chanson Africa? C'est une chanson très, 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 très politique et vraiment très, très violente. Déjà, je l'ai composé à l'époque. Oui, et à l'époque, il y avait le problème de l'Afrique du Sud. OK. Donc, c'est une chanson qui parle de que il faut qu'on change. Si on veut vraiment qu'on continue d'arrêter de dire que les colons sont venus, nous ont. Ça parle de l'injustice, déjà. Ça parle qu'il faut qu'on se lève nous-mêmes, on se réveille, mm-hmm. pour changer les choses. Mm-hmm. À cause de notre gouvernement. À cause de nos, comment on appelle ça, nos guerres. Exact. Hein? On ne cherche jamais à arriver au bout. On s'entretue, on se jalouse, on ne s'aime pas. Et à partir de là, comment faut-il évoluer? C'est un message, c'est une chanson qui date de plus de 25 ans, qui m'a marqué parce que je suis parti de... Je suis parti de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on avait à l'époque, des gens qu'on appelait des révolutionnaires. Ça m'a fait penser à Mandela. Myriam Makeba m'a beaucoup inspiré. Wow. Ça, parce que je me suis dit, il faut. C'est une chanson qui dit, sinon on ne se réveille pas. Si on ne choisit pas notre destin nous-mêmes, arrêtons tout le temps de critiquer les autres en disant que c'est les Européens, c'est les colons qui ne veulent pas qu'on avance. Nous-mêmes, si on n'arrête pas déjà de s'entretuer, entre nous-mêmes, dans chaque famille, il y a du bordel, excusez-moi le terme, il y a des guerres. Et tout ça, il faut vraiment qu'on se regarde en face avant d'insulter l'autre. Et en plus, j'insiste aussi que il y a de l'injustice, parce qu'il a fallu quand même que je traduise, parce qu'il y avait des radios qui me demandaient de quoi il s'agissait. Et quand j'ai donné la traduction, il y a certaines radios qui ne voulaient pas la faire passer, pour des raisons qui sont tout simples. Je parlais du fait que, bon, tout ce qui est...
les oppresseurs ne voulaient pas qu'on change. Exact. Et c'est pour ça. Et était cool. Et effectivement, quand j'ai présenté le projet aux gens de, comment ils s'appellent, Zulu de Soweto, mes amis qui sont devenus maintenant, certains sont des diplomates ils étaient réfugiés politiques, mm-hmm. ils sont avec nous. Ils m'ont dit, mais c'est quand même violent. J'ai dit, mais oui, mm-hmm. c'est parce que nous-mêmes, il faut qu'on se prenne en main, mm-hmm. qu'on arrive de tirer, parce que je ne vois pas comment on n'arrive pas à se réunir nous-mêmes. On a tout. Voilà. Mais bien voilà. sûr que c'est souvent difficile. On a notre mode de vie qui est différent. On mm-hmm. aime bien être nonchalant, on va à notre vitesse, mais à un moment donné, quand on te dit, par exemple, le matin, il faut faire ceci, il faut aller à telle heure, par exemple, on te dit de réveille-toi le matin et fais attention, viens au boulot. Toi, tu te réveilles à 10 heures. Si tu as un rendez-vous à 10 heures, à 8 heures, tu arrives au boulot, au rendez-vous à 10 heures, tu perds. Le temps que tu perds. Voilà. C'est bien beau. C'est bien beau qu'il fasse beau chez nous. On a le soleil, on a du poisson, on a tout. Mais il faut bosser. Il faut se salir les mains. Voilà. Et il ne faut pas aussi avoir peur de temps en temps de dire que bon, moi, je ne suis pas d'accord. Mm-hmm. Ça, je sais qu'on sait le faire. Mais après, comme on sait bien qu'on ne meurt pas de faim chez nous, je parle de Cameroun, hein, je ne parle pas d'autres pays. Ouais. Puisque ça pousse, tu jettes une mangue, ça pousse, tu jettes la papaye, ça pousse. On a pris cette habitude, maintenant, il faut comment que nos enfants commencent à comprendre. Ils sont en avance. Exact. Et cette chanson parle un peu de ce côté un peu de l'Afrique qui ne veut pas avancer. Voilà. En même temps, c'est un message d'encouragement. Hein. C'est pas un message que j'insulte les gens. Hein. Non, ça valorise notre Afrique et ça essaye d'ouvrir les yeux. Voilà. Ça essaye de réveiller les gens. C'est comme si tu demandais aux gens, réveillez-vous, on a beaucoup auprès de nous, a beaucoup autour de nous. On a beaucoup de choses à faire. On peut changer notre Afrique, on peut la rendre belle, on peut la rendre, Voilà. Donc, c'est ça. La preuve, c'est que quand je vois maintenant des jeunes, comment on appelle, stylistes ou cordonniers, mais c'est à partir de là que je suis fier de cette chanson. Parce que les gens qui me posent cette question, beaucoup de jeunes me posent la question, je dis, en leur répondant, écoute, toi, tu viens de créer une mode là. Mm-hmm. Tu vois, ta mode là, ça passe. Maintenant, je vois des mariages. On ne s'habille plus à l'européenne, on fait des mariages. Oui, les gens s'habillent même en Espagne, hein, en tissu africain. Voilà, c'est ça. Waouh, et là, je vois un peu derrière toi, là. Je vois quelque chose qui valorise vraiment l'Afrique. Et toi-même, tu es habillé en. Voilà. Tu vois que ça, c'est un boubou. C'est un boubou que tu portes, là, tonton Harry. C'est un t-shirt, mais le collier que j'ai m'a été offert quand j'étais au Cameroun. Parce que j'ai plein de trucs qu'on offre partout. Uh-huh. Je ramène partout. À l'époque, c'était beaucoup de chapeaux. Mais là, maintenant, comment c'est que j'aime des colliers comme ça? Et là, je suis en train de créer ma mode en partant de ça. Yes. Je vais créer ma mode de t-shirt en partant de ça. Uh-huh. C'est tout ça que j'apprécie. C'est pour ça que quand je chante Africa, les gens qui comprennent très bien, je ne dénonce pas complètement les Africains qui sont fainéants. J'essaie de leur dire, réveillez-vous. Pendant longtemps, il a été colonisé. Pendant longtemps, il a été opprimé. Maintenant, c'est le temps de se réveiller, se prendre la main. Mm-hmm. Wow. C'est mon analyse. C'est bon, maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Il y a le jeune artiste Prince Peter Jericho qui dit conscious music topics have always been necessary for sustainability of timeless artists. Knowing Tonton Harry wasn't afraid to speak his mind about our social issues, it's legendary. We thank you. Donc il parlait un peu de la chanson. Il dit juste ça lui touche énormément de savoir que quelqu'un comme toi a pris ça sur lui de parler de notre Afrique et des choses qui nous minent, qui minent notre société, qui minent notre continent. Et, ouvrir les yeux aux gens et les amener à voir le bon côté de la chose, à savoir qu'il y a beaucoup plus de bonnes choses qu'on peut faire sortir de l'Afrique et non pas seulement les mauvaises. Ouais. Donc, that was really, 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 really a nice song. Like, je connaissais pas exactement ce que tu dis dans cette chanson, mais j'ai toujours aimé la chanson Africa. J'ai toujours, toujours adoré cette chanson. Je me rappelle hier, j'ai même posté une petite vidéo, le petit compil que tu as vu tout à l'heure là,
J'ai pris ça sur ta page Facebook et j'ai partagé. Les gens étaient tout excités. Oh my God, like, I don't know. Like, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils font une chanson et après 2 ans, personne ne se rappelle d'eux. Mais toutes les chansons, les gens voulaient chanter par cœur. C'est justement, le but était aussi que si j'avais commencé à chanter comme le certain, qu'on m'imposait de chanter en français tout de suite, mais je manie facilement la langue. Voilà. Mais je ne parlais pas douala avant, j'ai appris à parler douala en France. Je manie facilement la langue lingala. Donc, j'ai préféré, je prends un exemple. Pourquoi les gens se posent la question sur Africa? Ils ne doivent pas se poser la question sur Africa. S'ils veulent chercher tout, mes albums sont traduits. Je suis parmi les seuls artistes qui font la traduction en anglais, en français, tout ce qu'on veut. Même si c'est la traduction littéraire, tous mes chansons sont traduites. Mais comme les gens ne vont pas tellement chercher à comprendre ce qui se passe, moi, je pose toujours la question aux gens. Parce qu'aujourd'hui, que les gens chantent « Oh, mon Afrique, oh, avec tous ces problèmes, cette chanson de Longa Longa est partie de la mienne. » Je le sais, puisqu'il m'a dit lui-même. Donc, je pars du principe que le fait de ne pas chanter en français, c'était normal. Parce que quand on écoute des chansons de d'autres pays, on ne cherche pas à comprendre. À part les chansons, avant, on ne chantait pas tellement. On chantait beaucoup en anglais. On écoutait beaucoup les chansons en anglais chez nous. On n'écoutait pas les chansons en français. C'est la nouvelle génération qui a amené la chanson en français. Si on veut se vendre aussi à un moment donné, si on veut vendre sa propre langue, comme on vend le pidgin, qu'on connaît, nous tous on connaît que le pidgin marche très bien. Si on veut vendre le bassa, comme chante Blik Bassi ou les Ismaéliens, si on veut qu'on puisse, comme notre culture peut avancer, comme Mongombe, qui chante avec le Bakweri ou je ne sais pas, c'est le Bakweri, oui. Si on veut chanter, il faut accepter aussi que les gens. Il faut aussi valoriser sa culture à travers sa musique. Voilà. Et voilà la musique camerounaise, la musique douala a percé. Voilà les chansons de Manu Dibango que Michael Jackson a repris, que Rihanna a repris, ainsi de suite. Voilà. Salamandre-Marie, ta chanson a été reprise aussi par James Brown. Les gens ne savent pas. Donc, tonton Harry, en tant qu'artiste, en tant que légende de la musique camerounaise, quand tu regardes notre scène musicale au Cameroun, qu'est-ce que tu peux dire de la musique camerounaise d'aujourd'hui? Ben, il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, c'est ça que je dis, la diversité est bonne. Ça, c'est clair. Mais il faut faire son choix. On ne peut pas interdire. Si on commence à interdire certaines personnes de chanter ou de parler, ça signifie que c'est la dictature. On a lutté pendant longtemps pour avoir la liberté de presse, la liberté d'opinion, la liberté de tout. Bon, je pars du principe que c'est à chacun de choisir. Parce que si tu veux choisir de manger un bon plat comme le cuit ou le dolé ou les plats traditionnels, mais si tu veux manger la merde, tu manges la merde. C'est à toi de choisir. Tes oreilles, on ne te les a pas fermées. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Ça, c'est vrai. Donc, on a un pays qui a presque 250 dialectes. Il faut que tout le monde, parce que maintenant moi j'entends des chansons, j'ai travaillé longtemps aussi, je suis allé voir les Pygmées aussi, je suis venu au Cameroun pour une recherche avec un grand chef d'orchestre, on a passé presque 2 mois à la forêt d'Abomban pour comprendre. Son père était colon à l'époque et le gamin, le chef d'orchestre, il m'a contacté, j'étais étonné. Et on est parti, il voulait seulement aller voir qu'on aille travailler avec les polyphonies pygmées. Donc, vous imaginez quelqu'un qui vient des États-Unis, vient me chercher et qu'on parte au Cameroun. Et on traverse toute la forêt pour aller faire ça. Moi, ça m'a fait une expérience terrible. Je me suis dit, attends, moi qui vis ici, qui les connais, je n'ai jamais pensé à l'idée d'aller voir les pygmées travailler avec eux. Alors, ça prouve beaucoup de choses. Et quand je vais même très loin, quand je vois West Mandico, la chanson Ala Nemba Oboa et tout ça, c'est une chanson qui a été récupérée par un des Français ou le Belge ou Anglais qui cherchait une tradition. Et comme vous en pouvez, West, parce que cette chanson, c'est une chanson que quand les gens écoutent, on n'écoute pas ce qu'il dit. Il dit seulement Ala Nemba Oboa, mais ce qui est derrière là, c'est le côté traditionnel enfoncé du pays. Et les Blancs ne portent, là, vous voyez, ils ne posent pas, personne ne pose la question sur cette chanson. Qu'est-ce qu'ils racontent? On ne pose pas la question. Non, ils ne posent pas la question. Voilà.
Donc, ça prouve que, ouais, ça fait le tour du monde avec une chanson. Ça prouve que notre musique voyage, hein, voilà. Voilà. Waouh, waouh. Voilà l'autre côté que je trouve. Mais concernant certaines musiques, bon, il y a certaines qui commencent un peu à me taper sur le système, mais chacun sa goût ou son goût. Voilà, ils disent que c'est le divertissement parce que les gens sont stressés, les gens ont besoin de se déstresser. C'est vrai qu'il y a certaines qui regardent, tu es like, oh my gosh, wow. Oui, mais si on parle du principe qu'il faut choisir. Où il faut dire ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas. Mais vous n'allez pas interdire aux gens qui n'ont que ça pour pouvoir, comment on peut dire, oublier les soucis qu'ils ont. Exact. C'est comme les bars qui sont ouverts partout chez nous. Uh-huh. Tout le monde va travailler et les circuits, c'est pareil. Quelqu'un n'a pas envie d'aller au circuit tout le temps. Quelqu'un n'a pas envie d'aller au bar tout le temps. Mais il va au bar parce qu'il va oublier les soucis, il va rencontrer les gens, on va lui mettre n'importe quoi, il va danser, il va oublier. Mais tout exact. Ça, il faut penser à tout ça. Il faut... Oui, c'est ça. Moi, je sais, je connais le Cameroun, je vais tout le temps, je sais ce que ça passe. Explique à quelqu'un que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mais il va me dire, excuse-moi, j'ai déjà des problèmes à la maison, j'ai des problèmes de boulot, j'ai exact. Pas de salaire, j'ai exact. Pas de... Ils ont besoin au moins, de je veux boire. Voilà. Ah, oui. Ou bien, je veux boire ma zumba, je veux boire ma bière, je veux oublier. Mais il va... le problème, c'est qu'il ne vivra pas. Parce qu'il s'enfonce. Ah oui, ça c'est vrai, tonton Harry. Alors, parlons un peu de ce dernier album. C'est le dernier album Diaspora. C'est le tout dernier album Diaspora. Mm-hmm. Il y a cette chanson. C'est le dernier. Il y a cette chanson que tu as fait sur TV5, que j'ai partagé hier sur ma page. Les gens ont beaucoup aimé cette chanson. J'oublie le titre, mais ça commence avec le BSP. Elle aime quelque chose. J'oublie le titre de la chanson là. L'un des titres, celui que tu as fait sur TV5. C'est BLMBT. BLMBT, voilà. Je savais que ça va être un peu compliqué là. BLMBT. Non, BLMBT, c'est que c'est comment on appelle ça la traduction, je l'ai faite comment. Assume ce que tu as. Si tu n'es pas capable de faire quelque chose, n'y va pas. N'y va pas. Waouh. Oui, parce que. Waouh. En fait, notre tradition, comment on dit encore, je ne me rappelle plus. Si on te dit maintenant, il y a un poste. Par exemple, je prends un exemple terre à terre. Uh-huh. On dit, on veut un médecin. Toi, tu n'es pas médecin. Tu te présentes. Tu es peut-être un infirmier. Et mais quand il faut maintenant appliquer le métier, voilà. Pourquoi tu vas faire ce qui te. Les métiers, c'est. Comment tu dis? Tu prends ton corps, tu n'es pas capable de faire quelque chose. Mais tu dis que tu peux le faire. Métier, c'est pas ton. Oui, mais quand tu vas le faire, tu ne vas pas bien le faire parce que ce n'est pas ton métier. Ça, c'est vrai. Il faut savoir à un moment donné. S'arrêter. S'arrêter quand on ne peut pas. Waouh. En gros, ça veut dire. Il faut apprendre. Il ne faut pas être. Quelqu'un te dit, bon. Il y a un marché là, je veux construire la maison, je peux te construire la maison. Attends, tu vas construire la maison, comme ce qui se passe beaucoup au Cameroun, au bout de ces 6 mois, la fondation tombe, la maison tombe. Exact. Parce que tu n'es pas maçon, tu es maçon. Il faut savoir être plus cuisinier, soit cuisinier. Voilà, concentre-toi sur ce que tu sais faire. Voilà, et laisse les autres. Voilà, mais ça ne veut pas dire que. Voilà, il faut savoir, c'est pas parce que l'autre a dit, comme on a toujours l'habitude au Cameroun, on dit. Rien n'est possible pour les Camerounais. Non, non, non. Il faut arrêter ce discours. Impossible n'est pas Camerounais. Voilà. Tata Harry, nous voilà. Les Camerounais, nous, on sait faire tout. Voilà, il y a quelqu'un, TNT, qui demande qu'est-ce qui a inspiré l'album Diaspora. Mais l'album Diaspora a été inspiré aussi toujours par mes problèmes, comme tu me dis là. C'est que j'avais composé avant, à l'époque, quand il y a depuis longtemps que je suis quand même en Europe, en Europe en général, en France aussi, je me suis rendu compte qu'on oublie que le berceau de l'Afrique, le berceau du monde, c'est l'Afrique. Mm-hmm. L'idée m'est arrivée au type de continuer, je suis l'Afrique, je suis la mère. Quand je chante, je suis l'Afrique, je suis la mère. Je suis la mère de l'Afrique, c'est la maman de l'Afrique. Je suis le sang de ton sang. Yes. Je suis l'Afrique, je suis femme. J'ai mis au monde tes enfants.
Exact. Et l'idée principale, c'est quoi ? Pour aller très loin avec la complicité de ma femme, elle m'a dit, profite-en de parler aussi, de donner un conseil aux jeunes qui pensent qu'il n'y a rien en Afrique. Il y a tout en Afrique. Et c'est pour ça que la chanson parle aussi de beaucoup de gamins qui meurent actuellement. De tous les jeunes qui meurent pour traverser. Parce que dans le sens qu'on a détruit notre pays. Oh là là. On détruit notre continent. En contrepartie, on ne reçoit pas. Donc, pourquoi les enfants se déplacent ? Parce qu'on leur promet le bonheur et tout ce qu'on peut dire. Mais en voyant tous ces enfants qui meurent, en voyant la sécheresse qui arrive, tout ça arrive à cause de plusieurs choses. Donc, Je suis l'Afrique, c'est une chanson qui parle quand même beaucoup pour glorifier quand même que l'Afrique, c'est le berceau. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Wow, vraiment, je suis vraiment touchée de comprendre tout ce que Diaspora, parce que quand j'ai écouté cette chanson que tu as fait avec, je ne sais pas si c'est Madame Dikongé, mais je me suis dit que c'est sûrement Madame Dikongé là-bas parce que... On vient, ok, super. C'est elle qui racontait l'histoire, elle parlait un peu, je suis l'Afrique, je suis ceci. J'écoutais, voilà. Je me disais, waouh, ça c'est vrai, ça m'a touchée tellement, you know, I just love that song. It's such a beautiful song. Parce qu'on est, tous étrangers aussi. Ça, c'est vrai. On est venus de partout. Alors, ça, quand on parle quand je dis je suis l'Afrique, je suis sagesse, un ancêtre de l'avenir. Tu crois qu'il y a toutes tes richesses, alors je te laisse partir. C'est la maman de l'Afrique qui te laisse partir, qui te permet de voyager dans le monde, dans le continent. Parce que c'est la maman, c'est elle qui nous met au monde. J'ai jamais vu un mec qui... quelqu'un me montre, quelqu'un comme monsieur a accouché. Hein. Donc, tous les mamans du monde, c'est elle qui nous met au monde. Exact. À partir de là, voilà, vous comprenez, et c'est, je suis à la sagesse vient d'où ? La sagesse ne vient pas seulement d'Afrique, elle vient de partout. Wow, ça c'est... Ouais. Oui, c'est un diaspora, vraiment, je vais dire que j'ai eu à écouter Belle MBT et j'ai écouté aussi cette chanson Diaspora, où tu parles de l'Afrique. Et tout ça. Vraiment, j'ai été touchée par tout ça. Tout est traduit en anglais. Tout est traduit en anglais français. Hein, et même certains allemands l'ont traduit en allemand. Tout est traduit. Hein. Oh, wow. Tonton Henri, quels sont des projets que tu as ? Je sais que le corona, la pandémie est venue déplacer beaucoup de choses que tu avais de prévues. Mais est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais toujours faire avec cet album Diaspora là ? Parce que le monde entier n'a pas encore écouté cette chanson. On a l'impression qu'on n'a pas encore consommé cette chanson Diaspora. Est-ce que tu as certains projets que tu comptes faire pour que le monde puisse aussi absorber ce magnifique produit que tu as mis sur le marché? Ben, justement, j'ai bien envie de tout faire, comme vous dites. Mais à un moment donné, quand j'arrive sur scène, dernièrement, j'étais à Paris il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui a ouvert un club là depuis février et qui s'est arrêté à cause du coronavirus. Moi, il m'a dit, grand frère, bon, je sais bien que tu ne viens jamais dans nos histoires de ma chaise. J'ai dit non, mais si c'est un club et que tu veux faire les choses comme il faut, ben, j'arrive, je prépare tout un répertoire. Je me dis, bon, maintenant, je vais essayer de faire comprendre aux gens que bon, j'ai d'autres choses à dire ou d'autres choses à faire aussi. Mais après, je monte sur scène, c'est pas seulement en France, hein, même aux États-Unis, partout où j'arrive, les gens me disent toujours, bon, on va prendre le temps d'écouter ce qui est là à côté. Nous, on va d'abord que tu nous chantes ce que tu n'as jamais vu chanter sur scène. Donc, vous voyez, c'est souvent compliqué. Le seul public qui décide et l'artiste exécute. Exact. Bon, c'est vrai que Diaspora, quand Diaspora est sorti, il y avait déjà ce problème aussi qui avait déjà commencé, qui avait aussi, ça faisait déjà peut-être plus de 3 ans, qui avait l'industrie du disque qui a complètement chuté. Il n'y avait plus de vente des disques, de la FNAC et tout. Donc, il fallait se tourner. Comme moi, je travaille avec un système de faire beaucoup de concerts, parce que c'est ça. Pour faire connaître quelque chose, il faut faire les concerts. Parce que tout le monde télécharge maintenant. Bon, vous voyez, c'est pas toujours évident qu'un artiste qui a l'habitude d'aller
voir le public et toujours, je ne suis pas tout seul parce que maintenant, bon, j'essaie de voyager avec un minimum, mais d'habitude, je voyage quand je vais aux États-Unis. Vous voyez toujours quand je vais aux États-Unis. Soit je travaille avec les gars que je connais aux États-Unis, je fais une équipe, je forme une équipe qui connaît déjà. Soit je ramenais d'habitude, soit la choriste Étienne Mbappé, par exemple, j'ai ramené. Mm-hmm. Donc tout ça, ça coûte cher. Et en plus, il faut avouer qu'à un moment donné, il faut savoir dire les choses. Quand ça ne va pas financièrement pour tout le monde, il faut savoir aussi prendre un recul. Parce que gens ne peuvent. Voilà. Bon, voilà ce problème qu'on a aussi. C'est que bon, la saturation aussi de la musique, à un moment donné, il faut laisser les gens. Je ne dis pas que je ne fais pas la promo pour moi. Je la fais. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment donné, tu laisses au public décider. Exact. Ce que tu as beau faire, tu peux construire la plus belle maison, tu peux avoir la plus belle voiture, tu peux être le plus intelligent. Si ton bouquin, ton roman ne plaît à personne, qui va l'acheter? Ça, c'est vrai. On peut le bassiner à longueur de journée à la radio. On peut faire même demander aux gens de l'acheter, genre comme on dit chez nous. Si les gens ne veulent pas l'acheter, l'achètent pas. Ça, c'est vrai. Mais je pense à ça. C'est que bon, c'est vrai que depuis un bout de temps, il y avait avant le coronavirus, il y a eu aussi un peu de difficultés, un peu de pas seulement pour les artistes. Hein. Uh-huh. Parce que les gens pensent toujours aux artistes, ils oublient les autres, ils oublient les comédiens, ils oublient les peintres que moi j'adore beaucoup. Et ça, c'est ils oublient des jeunes qui font la sculpture. Voilà pourquoi je parle cette optique de travailler beaucoup plus avec une grande palette d'artistes. Voilà. Mon idée, c'est ça. Quand je vais au marché de fleurs, ça m'intéresse parce que quand je ramène un tabouret, je vais en Éthiopie, je vais voir... Tout ça, ça m'intéresse. Mm-hmm. Ça m'intéresse dans le sens que c'est comme ça que je fais vivre la culture africaine. Voilà. Alors, tonton Harry, parle-nous un peu de la relation que tu avais avec le feu tonton Manu Dibango. Ben, j'ai hésité de parler de ça parce que c'est quand même mon tonton. Et c'est lui quand même que je peux dire parmi tous. On ne peut pas parler de ça. Voilà. Oui, mais en même temps, je crois que le fait d'être pudique, tout le monde sait que bon, c'est quand même quelqu'un qui était très proche de lui. C'était quand même un tonton. Exactement. Voilà. Pas un tonton, je ne sais pas de quoi que tout le monde l'appelle tonton, mais moi, il y avait l'alliance quand même à côté. Et en dehors de ça. Un lien de sang. Voilà. Et en plus de cela, les enfants, c'est les enfants de ma tante, que moi, MD le grand et la fille, je connais très bien. Voilà les gens que, bon, quand je parle, lui, j'ai envie de. Les larmes doivent couler tout le temps parce que c'est le premier que quand je suis avec. Il y a lui, il y a Tala, surtout Tala et les deux, les grands frères, que quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est pas des gens que je suis allé voir tout de suite. Uh-huh. Non. J'ai fait mon produit et je suis allé présenter le produit. Ils m'ont plutôt conseillé. Uh-huh. Et pour me montrer que le travail fonctionne comme ça, c'est Tala qui est venu m'encourager au Cameroun. Mon premier concert avec les 100 visas. Wow. Que je ne connaissais pas que c'était les 100 visas. J'ai souffert. Et après, quand j'ai fini ma tournée du Cameroun, je suis arrivé voir tonton Manu et qui savait très bien qui j'étais. Il m'a dit, je sais tout ce que tu fais, mais maintenant, tu vas me montrer ce que tu sais faire. Donc, il m'a appris. Comme un enfant qu'on prend la main, il a commencé à m'amener dans toutes ses tournées. J'ai tourné avec Manu. Oh, wow, oui, parce que je sais que, voilà. Donc, je crois qu'à un moment donné, il ne m'a pas dit que c'était fini, mais j'ai pensé à moi-même. Il m'a dit, maintenant que tu as compris, tu n'es pas le seul. Il a continué à faire ce qu'il fait, et beaucoup de musiciens vous le diront. Il a appris le quoi comme ça, il a appris Douleur, il a appris Arido. Il est un papa pour tous ces artistes-là, africains, hein, voilà. sans discrimination. Voilà, sans distinction, hein, parce que c'est comme ça que je parle des choses. Je dis que dans ce métier, moi, j'ai aussi eu la chance parce qu'il y a Papa Wemba, qui était comme mon parrain aussi. Wow. Je l'ai connu avant sa mort. Mm-hmm. Il y a le quoi Kanza, qui était le premier à me voir jouer dans un restaurant à Paris. Oh, wow. Pendant que les gens mangeaient, et moi j'ai dit de faire attention, parce que c'était comme ça, ma production me disait qu'il faut. Mais j'ai dit, mais je ne peux pas tout faire comme ça. Même quand je suis parti aux États-Unis, mon premier voyage, arrivé aux États-Unis le lendemain, il neigeait, la production qui s'appelait à l'époque Tinder, la manageuse m'a dit, bon, écoute, tu prends la guitare, tu vas jouer au métro. J'ai dit, moi ? Elle m'a dit, mais si tu ne joues pas au métro, tu rentres vraiment en France.
Donc, yeah. c'est pas facile. Les gens pensent que c'est arrivé comme ça. Non, ça n'arrive pas comme ça. C'est au fait des coups de chance. C'est la leçon que tu as appris en tutoyant des grands artistes comme Manu Dibango et Papa Wemba. Quelle est la plus grande leçon que tu as appris, Antoine Henri? Le côté humble et le côté, comment on peut dire, on dit toujours match. C'est des gens simples. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, mais c'est des gens qui regardent beaucoup, qui écoutent beaucoup, mais qui sont là, ils sont comme s'ils n'existaient pas. Ce n'est pas les gens qui flambent, parce qu'ils ont tout mm-hmm. vu. Ouais. Exact. À partir de là, quand tu vois, tu sais d'où tu... comment tu... Parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent, que c'est un boomerang. La musique, c'est comme mm-hmm. tout métier artistique, un peu généralement. Il y a une période que tu crois déjà que tu atteins le sommet. J'ai connu beaucoup, hein, beaucoup. Il mm-hmm. y a des jeunes que j'ai commencé avec, comme Blif, comment il s'appelle encore, pas Blif, un autre, comment il s'appelle, un jeune rappeur camerounais, un Bassa. Lui, il a bien travaillé parce que quand il a vu que ça n'allait plus, il s'est regardé, il a commencé à faire. L'habillement pour les golfeurs, ce qui rapporte encore beaucoup plus. Donc, Nélic, vous voyez, les gens comme Nélic, j'ai connu. Dans mais la Nélic, musique, okay, dans ce métier, c'est tout. Voilà. La musique et tout ce qui concerne l'art, il faut savoir que ça peut monter et ça peut descendre. Mm-hmm. Parlons un peu des collaborations. Est-ce que tu nous as parlé de certains, tu as cité certains artistes, tu as parlé de Mola Mongombe, tu as parlé d'une jeune artiste aussi. Est-ce qu'il y a certains artistes que tu aimerais ou que tu es en train de collaborer avec en ce moment? Oui, il y en a, mais comme c'est, moi j'aime toujours garder les secrets. C'est bon, bien de garder les secrets, mais il y a certains quand même. Oui, il y a déjà certains que c'est déjà fait. Hein. Il y a Dan Kamik, si quelqu'un va chercher sur Internet, ça fait D-A-N. À côté, Kamik, ça s'écrit K-A-M-I-T. Dan Kamik, c'est un jeune qui a fait dans le. Avant qu'on arrive les locaux là, hein, il était déjà là. Hein, ici. Wow. Il avait déjà une major. Hein. Moi, j'avais une major. Mm-hmm. J'ai fait les rappeurs d'Araji avec. C'est déjà des. Actuellement, ils se sont séparés. C'est un groupe aussi de rap un peu ramophile, le machin. Mais eux, ils cartonnent. Chaque fois que je vais au Sénégal, ils viennent avec moi. Oh, wow. Moi, j'étais à l'époque, j'ai connu beaucoup de collaborations. J'en ai eu ici en Europe, aussi en France, j'en ai eu fait beaucoup. Mais pour les artistes camerounais, à l'époque, j'ai fait les jumeaux aussi. Ils m'ont appelé pour leur faire quelques voix. Pas uh-huh. les deux autres. Vous savez qu'il y en a quatre jumeaux au pays, alors finalement. Il y a ceux qui font. Wakosa et les autres qui font les Sewe. Je ne sais même plus comment ils s'appellent. Pas les Pekoum, hein. Il y a les autres deux jumeaux. Pas les Pekoum, ok. Parce que je connais seulement les Pekoum, hein, des jumeaux. Les artistes jumeaux Cameroun et Pekoum. Je connais pas d'autres. Les collaborations les plus intéressantes pour moi, c'est de travailler avec. J'ai eu la chance de travailler. Commençons par mes frères déjà. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec le plus grand musicien, Tien Mbappé. C'est moi qui l'ai amené on est parti au Cameroun. Les gens n'étaient jamais partis au Cameroun. J'ai travaillé avec Mario Canonge, qui a fait Kassav aussi, qui avait Malawa. Waouh. J'ai travaillé au niveau des Allemands. J'ai travaillé avec des gens qu'on ne connaît pas. J'ai un groupe pour parler des Camerounais encore, qui j'ai fait venir dans tous mes albums. J'ai quand même toujours. Ah, Toto Guillaume, sans oublier le grand Toto Guillaume. Voilà. J'ai travaillé avec les fils Sabal. Mm-hmm. Alors, est-ce que Toto Henri est ouvert pour des collaborations? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'adorent. Ils ont beaucoup appris de toi, de ta musique, de ton parcours musical. Ils aimeront collaborer avec toi. Est-ce que Tonton Henri est ouvert? Est-ce que Henri Dikong est ouvert pour des collaborations? Et comment ça doit se passer? Est-ce qu'ils doivent, est-ce qu'il y a une adresse? Est-ce qu'il y a un parcours? Est-ce qu'il y a une porte qu'ils doivent suivre pour t'atteindre ou pour pouvoir rentrer en contact avec toi? Il n'y a pas de souci. Je t'ai donné l'adresse de ma production Jazz Art. Jazz Art. Que tu as. Voilà.
Ça, tu peux communiquer aux jeunes qui veulent me joindre directement. Jazz.out. Jazz.out. Là, tu peux même, si tu veux, après l'émission, tu la diffuses pour ceux qui te demandent de poser des questions. Jazz.out@gmail.com. Voilà. Email, comme tu dis, envoie américain, email.com. Bon, il y a ça, il y a bon. Ça, c'est déjà c'est direct aussi. Je ne connais pas l'adresse de la boîte d'édition parce que je n'ai pas en tête, mais je te l'enverrai. Ça va, qu'ils envoient déjà l'email. Et puis, on va en parler voilà. À partir de là. OK, tonton Harry, quel conseil peux-tu donner maintenant aux artistes camerounais et surtout ces jeunes-là qui rêvent encore de commencer la musique, qui aimeront suivre tes pas? Bon, le conseil le plus direct que je peux donner, effectivement, là, tu me poses une bonne question, pas que les autres ne sont pas bonnes, mais c'est que je vais être direct. Il y a trois choses. Ce n'est pas parce qu'Internet diffuse que tout le monde pense que parce qu'on a des millions de vues, on est riche. Il faut oublier ça. Zéro. Parce que ce n'est pas là l'argent arrive tout de suite. Parce que maintenant, il y a des gens qui font 35 000, plus de 100 000 vues. C'est vrai. 100 millions, même, comme certains disent. Voilà. On ne gagne pas l'argent facilement comme ça. On ne peut pas. On peut avoir un peu d'argent, mais on ne préserve pas ses vies. Il y a Claude Songuet qui est le fondateur de Channel 3 Zone qui demande, il dit, grand frère Henri, à quand un nouveau concert au Cameroun malgré le virus qui bloque tous les spectacles? Il veut savoir si tu as quelque chose de planifié pour le Cameroun. Ben, il y avait déjà éventuellement, on pensait faire mes 25 ans de carrière, mais pour l'instant, on n'est pas sûr. Non, on ne peut pas. Puisqu'après, il faut savoir aussi que chaque fois que je veux faire des concerts, surtout au Cameroun, ils sont organisés par moi. Donc, ça signifie que le financement, il vient de moi. Donc, ce n'est pas toujours évident de faire un concert parce que j'ai jamais compté. À l'époque, j'ai eu la chance qu'à mes débuts, j'ai eu quand même quelqu'un qui a commencé sa carrière aussi au Cameroun avec moi, le président du PMUC. Donc, des courses, là. Et mes conditions étaient simples. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous faites qu'on suit des écoles et tout un tas de choses. C'est comme ça que j'ai fonctionné avec lui. Pour les concerts, toujours, le problème, c'est simple, c'est que tant qu'il y a le coronavirus, et tant qu'on ne sait pas où on va, on ne peut pas bouger. Pour le conseil des jeunes que vous pouvez l'évoquer, la question importante pour moi, c'est que actuellement encore, je crois qu'il y a deux boîtes ou trois boîtes qui sont ouvertes au pays, mais qui n'arrivent pas à s'entendre. J'espère que ça va s'entendre. Mais en dehors de cela, les artistes, les jeunes qui veulent chanter, qui veulent faire ce métier, ils doivent savoir qu'il faut protéger déjà leurs œuvres. Protéger, ça signifie que quoi? Ils peuvent se faire envoyer leur propre courrier par lettre recommandée. J'espère que ça existe encore au pays. Parce que si ça n'existe pas, c'est totalement la catastrophe. Oh là parce que quand il faut protéger, il faut d'abord savoir comment on peut protéger. Même aussi avec Internet, maintenant, on est capable de protéger ses œuvres. Parce que les œuvres rapportent quelque chose. C'est un bien intellectuel et un bien moral. Exact. En tant qu'auteur, compositeur, ça appartient. Certains se lancent dans des productions gigantesques, dans le fait que, en passant, faisant des super clips, c'est bien beau. Mais ces super clips, vous dépensez l'argent que vous n'en avez pas. Exact. Et vous n'êtes même pas sûr qu'en faisant un clip aussi magnifique, que vous aurez de l'argent, que ça va vous rapporter. Voilà. Voilà. Certains pensent comme ça. Je ne suis pas contre. Moi, je suis ouvert. Moi, je suis pas. Chacun fait comme il veut. Je parle de ce principe que quand moi j'ai découvert les choses, par exemple, que pour que quelqu'un passe à la télé maintenant au Cameroun, ce n'était pas mon cas avant, ben, c'est l'artiste qui doit payer pour se faire passer à la télé. Et ça, c'est ça vrai. Hein. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Voilà, parce qu'ils se disent que les artistes viennent faire la promo et tout. Mais ça, c'est surtout pour les jeunes artistes. Hein. Je vais dire ça. C'est surtout pour les jeunes artistes, peut-être qui ne sont pas encore connus et tout. Si aussi, parce qu'ils doivent payer pour aussi la pour promo. Moi aussi. Non. C'est aussi pour moi, parce que la dernière fois que j'ai amené les Américains au pays, je me suis dit, bon, j'amène des gens, j'amène un orchestre symphonique de jazz. Oulala. J'avais jamais mis les pieds au Cameroun. Donc, tu fais cet effort pour pouvoir faire un grand concert avec les pygmées et tout, pour faire un mélange de culture. Arrivé dans les différentes télévisions, qu'est-ce qu'ils m'ont posé comme question? Ils m'ont dirigé vers le service de comptabilité. Moi, je vais vendre quoi? Je vais vendre. Donc, tu t'imagines qu'un gars qui n'a même pas, il ne sait même pas déjà, peut-être le promoteur l'habille, le producteur lui paye ses habits,
Il lui paye peut-être sa petite chambre. Et quand le producteur regarde tout ce qu'il a dépensé et que ça ne décolle pas, même, en même temps, il doit encore payer les annonceurs que normalement, dans la musique actuellement, on ne va pas se cacher, ben, il faut automatiquement que la culture, déjà, on enrichit déjà les télés de chez nous, les radios de chez nous, parce qu'au moins, on essaie de produire. Ça, c'est vrai. Si on ne produisait pas, c'est eux qui nous cassent un peu, qui nous coupent un peu. Ils n'auront pas de musique. Ils n'auront pas de musique à montrer, à diffuser sur leur chaîne, bien sûr. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer l'album Diaspora? Alors, la Diaspora, actuellement, c'est en téléchargement. Parce que, comme il y a eu rupture de stock, ce qu'on peut faire actuellement, on doit ressortir les albums Diaspora. Donc, on doit les represser. Donc, j'en ai certains à la maison, mais comme je n'ai pas encore mis en ligne, parce que j'ai racheté quand même toutes mes productions, je le signale, pas toutes, mais certains déjà, je n'en ai pas, c'est chaque fois que je vais, mais que j'avais un stock, j'ai fini, quand je vais en concert, je les vends en concert. Là, je suis en train d'essayer de mettre tout, je mets tout en ligne d'ici peu, parce qu'il y a tous les albums qu'il faut remettre, il faut retravailler le marketing différemment. C'est parce que à partir de quand il a pu tout été passé par la Fnac, Virgin, toutes ces grosses boîtes qui ne vendent plus les disques, ils nous ont remis presque tous nos catalogues. Donc, maintenant il faut faire comme tout le reste. Oui, bien sûr, c'est pour ça que pour l'instant le téléchargement c'est ce qui fonctionne. En dehors du téléchargement, quand tout sera en place pour les albums, soit si je vais aux États-Unis, quand je vais au Cameroun aussi, je voyage avec mes albums, mais je tiendrai à tous mes jeunes fans, mes vieux fans et tous mes amis et tous mes frères quand c'est ça possible. Que, bon, il faudra que c'est pas évident de trouver la solution. Tout ça, c'est un travail qui doit être fait. Parce qu'en gros, moi, je partais dans le principe qu'on ne peut pas travailler tout seul. J'ai toujours travaillé avec des boîtes qui sont spécialisées. Ça signifie que moi, je fais le disque, eux, ils vendent. Tout le monde est d'accord. Donc maintenant, mais tout est sur digital. Est-ce qu'on peut retrouver l'album sur Spotify et tous ces plateformes de téléchargement? Oui, il y a tout. OK. Partout, il y a là. OK, super. So, hey, guys, you can get Ari Dikonga's latest album, Diaspora. It's just amazing, guys. It's got all these beautiful songs in there. You know how it is. The rhythm is so soothing. You will feel like you're being transported to another planet all together just by listening to his music. So guys, go ahead and download it on all the online platforms. It's available just for your enjoyment. Tonton Ari, alors pour conclure l'émission, tu vas choisir la chanson que tu veux faire pour nous, hein, parce que moi je veux pas choisir. Les gens disent c'est la vie, mais c'est avec c'est la vie qu'on a commencé. Donc des retards à terre, c'est qui est devenu Aaron avec c'est la vie. On a fait Africa, on a fait Boulou. Donc tonton Ari, je sais pas quelle chanson tu vas choisir maintenant. Moi je veux passer toute la journée avec toi, parce que moi je peux rester là, on peut rester là à discuter, à écouter de la bonne musique et tout. Mais voilà, je sais que on peut pas prendre tout le temps de tonton Ari comme ça. On peut pas prendre tout le temps. Donc tu vas choisir la chanson que tu veux faire. Il y a quelqu'un qui demande Doom. TNT. Oh non, Doom. Oui, je sais. Mais là, j'ai d'autres qui demandent ceci. Je vais couper la voix en deux pour ce soir. Choisis ce que tu veux. Amore de ta qui se mare, amore amore, amore de ton se poname, e tu ma ponda, mi sono amore, e non di come, e tu ma ponda, mi sono amore, e non giovane,
Ituma boda, isonawa mole no di utsae. Nake kipon we isane wae, wegei. Nawolopon we isane wae, asherabo. Wentemba wengei, tumba gira goi. Wentemba wengei. Si tu me croises aujourd'hui, passe ton chemin, hein. C'est ce que je vais dire. Hein. Ok, ok, tonton. Comme tu veux, comme tu veux. Il y a Maréchal Tiano. Il y a Maréchal Tiano qui vient de nous rejoindre là. Tu connais Maréchal? Tonton Harry. Dis-lui qu'il est. Il vient en retard. Il est toujours en retard, mon promoteur là. Maréchal, non, c'est pas possible. Tu es en retard là. Mais écoute, Maréchal devait être le premier qui devait parler, même à ma place, celui-là. Depuis que lui ne m'appelle plus. Parce qu'il y a le corona. C'est pas possible. Ah oui. Ben c'est mon, il faut le dire, c'est mon producteur aux États-Unis. C'est lui. Je sais. C'est du bon boulot. Je dis qu'il est en retard. Ben voilà. Hé, hey, Maréchal, mon frère, ça c'est mon frère. Hein, mon frère de. En fait, je ne sais pas. Je ne vais pas expliquer. Lui-même, il sait. Je sais. Maréchal, tu es en retard. On a déjà fait boulot. Tu es en retard, gars. Ben oui, j'avais déjà tout fait. Il y a quelqu'un qui demande un doutou. Chris Peter Jericho demande un doutou. Yeah. Du tout alors. Oh, oh, now it is. Ah, ah, now it is. Tapono la gabana, puna lo mene no wona mene tagaye. Tapono lo bisebana, puna lo mene no wala, mene da sese. Yala banyu metambale, alia banyu matama doloye. Yala banyu metambale, le amanu mata matengene wemba nena weje nini wende ne jabebe nini wende nani tasese nini wende nani takaye abadi lu buda lu Oulala, je veux encore et encore, je veux encore. Tonton Harry, tu nous fais une dernière chanson avant qu'on se sépare. Et puis, le reste sera un offre. Quelqu'un qui demande encore Africa, Yango, qui nous regarde depuis le Canada, elle veut ouais. Africa. D'accord, elle veut Africa. Ou tu nous fais une chanson de ton choix, ça dépend de toi. Tu peux nous faire Diaspora ou je sais pas, n'importe quelle. Ben, je veux voir. Durant des années, j'ai vécu la différence. Les jours et la nuit, j'ai supporté le mépris. Pour longtemps, j'imaginais au pourquoi, comment. Du seul fait que je suis né sous X. Durant des années, j'ai vécu la différence. Les jours et la nuit, j'ai supporté le mépris. Pour longtemps, j'imaginais au pourquoi, comment. Du seul fait que je suis né sous X. J'aurais aimé pouvoir porter ton nom et pouvoir avancer sans remise en question. Ou ma Félix,
ma belle Issou. Alors, voilà une dernière aussi. À Françoise Oso, Sobelle Mélissane. À mon amour, à mon amour. À Françoise Oso, Sobelle Mélissane. Oh ma bon, c'était mi boba mango. Que capesse, nous t'es à Rodio Lavé. Oh ma voix, c'était ma cuirie wenge. On guérit son macaque, canibazou. Oh ma bouche était bitango mango, que capes si bise mouli ma mango, dolo moti te moni, dolo moti ti ma sango, à Françoise. Dolo moti ti moni, dolo moti ti ma sango, serene du te ya wembe, amuna wo, à Françoise, amuna wo, kese kebe. Oh my God, tonton Henri, merci beaucoup, merci, merci, merci. Je te t'embrasse très, très, très fort. Oh my God, tonton Henri, you're just wonderful. You're just amazing. Il y a Claude Songuet qui dit, il dit, un maestro reste un maestro. Merci pour cette belle leçon d'humilité qui honore votre grande sagesse d'esprit. Merci, merci tonton Harry, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu m'embrasses tout le monde, tu dis que qui reste couvert hein, pour l'instant, la maladie n'est pas, hein, on n'a pas trouvé, hein. Oui. On met le masque, hein. On reste là, on prie, on reste à la maison, on travaille encore à partir de la maison, c'est pas facile. Il y a les gens qui meurent encore et tout. On sait que c'est une période difficile pour le monde entier, mais on va traverser tous ensemble. Merci beaucoup, tonton Henri. Merci, merci pour ta gentillesse. Merci pour tous tes mots. Merci pour tout ce que tu fais pour notre culture, pour notre musique camerounaise et africaine. Merci. Merci pour ta contribution. Tu peux dire merci jusqu'à demain. Ouais. Voilà. J'ai aussi une pensée pour tous les artistes qui sont morts, les écrivains, tous les gens qui sont morts, parce qu'on en a perdu beaucoup. Et je sais qu'aux États-Unis, il y a encore aussi des gens qui ont perdu leur maman, qui sont encore. Condoléances à plusieurs personnes. La grande tata Marthe Zambo est en train de partir aussi. Gaël Laroute, vous savez tout ce qui se passe. Et mes condoléances à Dino. Si me regarde ce soir, Dino Sixon qui a perdu sa maman et jusqu'à présent n'a pas pu la rapatrier au Cameroun. Et j'embrasse tout le monde et je souhaite quand même un bon rétablissement et des condoléances à tous les gens qui ont perdu leurs parents, leurs aïeux, tout le reste dans une condition atroce, qui ne peuvent même pas assister aux enterrements avec cette maladie. Ça, c'est voilà. Vrai. À bientôt. C'est vraiment atroce. Tonton Henri, tu ne pars pas parce qu'on va terminer avec toi. Tu vas terminer en beauté avec une chanson de ton choix parce que les gens en demandent, ils en demandent encore. Je ne vais pas partir ce soir. Thank you to all of you who okay. In today's wonderful pro spotlight with an amazing legend, Henri Dikongé, guys. Thank you all for the message. Thank you for sharing. Keep sharing so that many more people can celebrate this living legend that we have. Let's celebrate you now. See you next week. God bless you. Bye. Jena mimi ba mama tomi namba bulutenge
Wow, merci beaucoup tonton Harry, on te souhaite un merveilleux reste de ta journée. Merci. Toute ta famille, nous, madame, tata, gongue, tu me dis, j'ai oublié si c'est Laurence ou Lucrèce. Laurence. Tu nous embrasses, notre maman, tu embrasses aussi. Laurence, voilà, ok. Laurence Ikongue, merci pour tout. Que Dieu te bénisse et nous serons toujours là. Ok, bye bye, bisous. Ouais. Bye 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 bye. Oh my God, that I have today, like you would never understand the honor it is to have such a legend, a living legend. If you're not from Cameroon, you may not really understand what it is, but Henri Dikongé is a music legend in Cameroon. He's somebody who has paved the way for the Cameroon music industry and even the African music industry. He has brought so much into our culture, the way that things are being done, how music should be. And he has continued to remain on top of his game. You heard him talk about his parkour. He talked about, you know, some of the artists that he's had to collaborate with. He's talked about, you know, his new album, Diaspora. I want you to go out there and stream it on all live streaming platforms. It's available for you to stream. And of course, continue to share the love and continue to support our living legend, Henri Dikongé. I'll see you guys next week with the same pleasure on Spotlight. We'll have another great guest in the house. Until next week, remember that you can be the change that you seek. God bless you. Mwah. Bye-bye.